Et bonjour à tous, c'est TBS pour Lorenzo TV. Donc on est reparti pour un gameplay Smite. Alors aujourd'hui on va jouer un assassin. On va jouer le rôle d'assassin avec Dadji, qui est un perso que je joue depuis un petit moment maintenant. Donc assassin, un perso très fragile, qui fait beaucoup de dégâts mono-cible. Donc notre but ça va être de terminer les kills. Quand on n'aura pas trop d'équipement, on va plutôt essayer de terminer les kills de ceux qui sont mid-life, voire un petit peu moins. Laisser s'enfuir personne avec un pixel de vie. Et au fur et à mesure de la partie, plus on aura de stuff, plus on pourra commencer à tuer des persos avec la vie pleine. Et voilà. Donc notre but, ça va être d'essayer de faire pas mal de kills. Et voilà, d'essayer de faire beaucoup de dégâts. Mono-cible. Parce que bon, elle a que des sorts quasiment mono-cible. Donc là, on est parti. Je vais partir avec le crusher qui permettra de faire plus de dégâts avec nos sorts. Et puis après, je vais mettre un petit peu de critique et faire en sorte que mes attaques de base font vraiment mal. Parce que moi, Dadji, je la joue d'une manière. Je sais pas si c'est un peu bizarre, mais bon. J'envoie mon sort et j'envoie vraiment une grosse auto-attaque. Mon but, c'est de me rapprocher de l'ennemi et de faire une auto-attaque qui fait vraiment mal, quoi. Donc j'aime bien mettre pas mal de critiques et quelques objets qui boostent mes auto-attaques. Donc là, on est parti. Le bleu, on va le laisser. On va essayer de récupérer le rouge. Si personne nous le prend, on va le prendre nous. Ça fera plaisir de démarrer avec un rouge. Voilà ce qui est fait. Hop, on va aider à DPS le troisième mob. Et on part au mid. Alors, je vais pas pouvoir taper beaucoup les sbires. Je vais essayer plutôt que quelqu'un de le faire. Et soit, enfin, les mages le faire. Et moi, je vais me concentrer vraiment sur les ennemis. Donc, j'ai pas beaucoup de points de vie. Je suis très très frêle. Donc, il faut pas que je saute pour rien. Donc là, je commence à sauter. Bon, j'envoie un petit peu de dégâts. Mais il faut vraiment pas que je me jette. Là, je vois qu'il y a peut-être moyen de s'approcher. J'essaie de m'approcher, je vois que c'est mort. Donc, je recule. Donc elle a trois sorts, son premier sort qui booste l'auto-attaque et qui met un périodique derrière. Son deuxième sort qui, je m'en sers pas mal d'escape, alors pour rattraper les autres, c'est une petite augmentation de vitesse d'attaque en balançant quelques attaques. Et son troisième sort, ça permet de se téléporter sur un ennemi, sur un allié ou sur un sbire, ça permet de se téléporter. Hop là, ben, réussi à prendre le premier kill. Pendant que j'explique un peu le perso, ben, ça démarre direct. Un premier kill sur Cerber. Et puis son ulti, elle monte sur un pilier, elle peut ramener des gens. Donc bon, ça permet aussi de temporiser. Voilà, un perso plutôt sympathique à jouer. En arène, pas trop facile à jouer, mais ça va. Donc voilà, ça, j'accélère un petit peu pour rentrer plus vite à la base et finir mon crusher, mon premier équipement. Et après, on sera reparti. Donc déjà, on a déjà pris un kill, ce qui est pas trop mal. Donc ça nous met bien. Ça nous fait gagner un petit peu de gold en plus. Donc on va pas cracher dessus. La partie est très serrée pour l'instant. Bon, ça vient de démarrer, mais il y a déjà un kill partout. Niveau des sbires, c'est très très serré. Donc là, on essaie de voir un peu. Je peux sauter dessus, je saute dessus, on essaie de faire des dégâts. Là, je me fais silence par Nox. Qui a moyen de tuer? Oui, on prend le kill. C'est pas nous qui l'avons pris, c'est Sol. Mais bon, voilà, c'est un kill de prix. Bon, on a fait pas mal de dégâts. Là, j'ai vraiment plus de vie. Voilà, je suis très très frêle. Donc, je décide de rentrer me soigner et commencer peut-être le premier objet pour faire un peu de critique. Alors on est reparti au combat. Bon, faut vraiment que j'essaye d'avoir toujours la vie neuve avant de me jeter. Bon, si vraiment j'arrive moitié de vie, c'est même pas la peine que j'essaye d'aller sur l'ennemi. C'est là mon rassuré. Là, on a l'air de faire pas mal de dégâts. Il y a peut-être moyen de tuer. Il me stun. J'essaye de le poursuivre quand même malgré tout. Boum, je le tue. Je me fais focus par Cerber. Hop, je monte sur mon pilier, mon ultra. Je touche Cerber. Hop, je touche la Nox aussi. Et je me taille. Donc ça les ramène à mon pilier. Ça les stun un tout petit peu. Ce qui me donne le temps de partir tranquillement. Là, j'étais moitié de vie, deux contre moi. En début de partie, je suis très très frêle. Donc, je me suis servi de mon ultra pour temporiser et pas mourir. Je les ai stun et je suis parti. Donc, je joue à la manette, je joue sur PS4. Donc, l'ultra de Dadji est quand même dur à placer. Je pense qu'à la souris, en cliquant sur l'ennemi, c'est beaucoup plus facile qu'avec les joysticks de la manette pour cibler les ennemis. C'est vraiment pas très facile sur PS4, mais bon, ça va. Là, j'ai vu qu'il était tout seul sur le côté, j'ai décidé d'y aller, mais non, il revient. En tête à tête, là, je peux faire quelque chose quand même de bien. J'ai pas encore beaucoup d'objets, mais à l'ambassauté, ils ont plus beaucoup de vie. Ah, c'est un peu chaud, je peux pas trop y aller. Non, je suis obligé de le laisser partir, malheureusement. Ils sont trop en face, 4 contre moi, c'est la mort assurée. Là, on va sauter quand même sur la Nox. Bon, Nox qui utilise son escape. Bon, on a fait un petit peu de dégâts, mais elle a pu s'en aller avec son escape. Voilà, je tape un petit peu les sbires parce qu'ils sont devant moi. En règle générale, je tape pas trop les sbires parce que je garde mon boost d'attaque de base pour les dieux. Vraiment, je focus les dieux et laisser les sbires aux mages. Je les taperai vraiment si j'ai pas trop le choix. Mais en règle générale, je vais garder vraiment tous mes sorts pour les dieux.
Donc là, on va peut-être essayer d'aider. Ouais, je peux sauter sur le Cerbère. Je saute sur le Cerbère. Le collègue qui envoie son ulti, je sais pas où il est parti. Il a dû envoyer sa purifle au Cerbère. Donc je me rabats ici. Je vois que je commence à prendre pas mal de dégâts. Mais il y a moyen quand même d'aller aider. J'ai une moitié de vie. Est-ce que je vais avoir mon sort qui va revenir? Dans 2 secondes, j'ai mon sort qui revient. 1 seconde. Est-ce que je peux sauter? Ah, j'ai été silence par une voix. Je saute quand même. Je suis un fada. Il y a moyen de tuer. Oui, ça prend le kill. Il me reste un pixel de vie. J'allais envoyer mon ultra pour me mettre safe, mais ça va. Personne ne me suit. Voilà, j'ai tué, vous voyez, avec le périodique. Je l'avais pas tué sur le coup et c'est le périodique qui a fini le kill. Ça s'est joué de justesse. Hein. Et puis moi aussi, j'ai vraiment failli mourir sur cette action. Donc bah, c'est bien passé. Hein. Écoutez, on prend des kills, on prend des kills et sans mourir pour l'instant. Donc c'est dur quand même de pas mourir avec Dadji parce qu'on saute vraiment au combat. C'est quand même difficile. Là, j'allais prendre le bleu, puis je vois qu'il va me laisser le violet, donc le violet qui a de la vitesse d'attaque. Donc je préfère avec Dadji quand même prendre. Si je peux prendre le rouge, je prends le rouge. Mais quitte à prendre un bonus, autant prendre le violet plutôt que le bleu. Ah là, je vais sûrement y aller pour essayer d'aider le collègue. Hop, je me téléporte sur le collègue. Il y a moyen d'y mettre quand même pas mal de dégâts. Si je récupère mon sort, il est mort, mais je l'ai pas, donc j'essaie d'ulti. Ah, je le rate. C'est pas grave, j'ulti Cerber. Cerber qui va revenir. J'ai un max de dégâts sur Cerber. J'essaie de le body block. Ouais, il est mort. Je commence à faire un petit peu de critique. Là, au passage, j'essaye de faire un doublé. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si j'ai mon sort, je saute dessus. Bon, mais il est mort par l'ulti d'Izanami. Sinon, il était mort. Hein. Il sautait dessus. Sinon, c'était la fin aussi pour lui. Donc, c'est très bien. Encore un kill de plus. On est à 4 kills. Bon, là, je vais déplacer les sbires parce qu'il y en a beaucoup au milieu. Il n'y a pas trop de nuits en face. Comme je sais que je vais vite retourner à la base, bah, je décide de balancer mon sort sur les sbires. Et on va repartir. Avec, je sais plus comment s'appelle cet objet, c'est pour booster mes dégâts de base. Donc comme vous voyez, je saute sur l'ennemi, j'envoie une grosse attaque de base. Donc plus mon attaque va faire mal, mieux c'est. Et ça booste la première attaque après l'utilisation d'un sort. Donc bon, là on a sauté, les deux sont morts, c'est très bien. Donc ouais, cet objet, vraiment dans la manière que je joue Dadji, c'est le meilleur objet que je peux faire. Hop là, il y a moyen de faire quelque chose, je risque quand même de mourir, c'est la mort. Là c'était un peu trop ambitieux pour moi, je me suis jeté... Chez l'ennemi, c'était un peu trop ambitieux. Bon, on va prendre une rune d'une égide et là je finis mon objet que j'aime tant. Cet objet est vraiment trop trop bien dans la manière que joue Dadji. C'est le top. Bon, une petite mort, c'est pas grave, on est à 4-1. L'important c'est de faire plus de kills que ce qu'on meurt. Au moins on ne donne pas de points à l'adversaire, on en gagne même. Faut vraiment essayer de moins mourir que ce qu'on tue. À part si on est un tank, qu'on fait pas de dégâts, on peut mourir 2-3 fois, c'est pas gênant. Mais quand on est un assassin, il faut vraiment essayer de tuer plus que ce qu'on meurt. Tant qu'on est en positif, tout va bien. Donc là, je saute sur l'ennemi, voilà, grosse attaque de base. Ah, j'aurais pu le poursuivre et le tuer, mais je me suis fait stun, c'est dommage. S'il n'y avait pas le... Ouh, je me suis fait burst, mais violemment. Comme quoi, là, ça s'est joué à rien. Hein. Si j'étais pas stun, je l'aurais tué, j'aurais pu m'enfuir certainement. Et là, le fait d'être stun, j'ai été focus totalement. Là, ça fait mal. Deux morts d'affilée. Oh, c'est pas grave, on va se ressaisir. Pas lâcher l'affaire, j'ai quand même fait un bon début de partie, j'ai pas mal d'objets et tout. Donc on va rester concentré. Comme vous voyez, faut pas se jeter pour rien. Parce que ça fait mal. Bon là c'était pas jeté pour rien, hein. J'aurais pas été stun, j'aurais pu le kill, mais bon. Et là c'est reparti de gros dégâts. Ça pue un peu, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Bon, on a mis de gros dégâts. Il y a le Kukulkan qui a pris le kill. Donc ça n'a pas servi à rien. On va peut-être essayer d'aller aider le collègue. Ouais, il a plus beaucoup de vie. Il y a peut-être moyen de le tuer en tête à tête. Ouh, c'est passé juste, mais le kill est pris. Donc ça fait très plaisir. Tous les kills rapportent de l'or. Donc ça nous fait plus d'équipement, plus de level. Hop, je me téléporte sur l'allié pour aller un petit peu plus vite. Donc là, c'est bon. On s'est remis bien dans la game. 5 kills, 2 morts. Ça passe bien. Ah, on est reparti. Donc là, il y a beaucoup d'ennemis en face. On va pas se jeter là pour l'instant. J'ai des alliés qui sont encore à la maison. On va DPS un peu le gros, non, on laisse les collègues le faire. Là, je me suis fait stun, je vais quand même y sauter sur Nox. Je sais que je pourrais la tuer en 1v1, mais là, c'était pas du tout 1v1. Donc, je décide de rentrer. Voilà, faut savoir sentir quand ça part mal. En 1v1, j'aurais fait très très mal. Bon, on aurait pu utiliser son escape, mais là, avec l'aide de Cerber et tout, c'était trop. Donc, je décide de repartir. Comme ça, j'ai la vie neuve. Et on peut repartir au combat comme il faut. Saute sur l'ennemi, boum, gros dégâts, ça prend le kill, on essaye de poursuivre un peu Chronos, boum, on le kill, impeccable. Là j'allais me faire ulti, j'arrive à ramener peut-être 2 personnes, hein. Une qui utilise sa purif, l'autre qui revient. Peut-être moyen de le tuer, je me fais encore stun, c'est dommage, je vais quand même y sauter dessus, j'essaye de le tuer.
Ah, le kill qui passe pas parce que c'était un tank. Et là, je me fais pourchasser. Je suis en train de me faire pourchasser. Je sais pas si je vais mourir ou pas. J'utilise mon égide dans le doute. Je prends pas mal de dégâts. C'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Bakasura qui est un assassin aussi. Bon, il est mort derrière. Comme vous voyez, c'était un peu risqué de sa part de venir me pourchasser jusque-là. Il m'a tué, il est mort derrière. Bon, c'est pas très grave. Peut-être pouvoir finir un objet ou pas. Non, je repars direct. Pourtant, j'avais assez d'heures pour finir un objet. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Trop dans le feu de l'action. Faut regarder un petit peu les stats, les objets des adversaires. Et on est reparti. Donc 6-3. On est toujours bien en positif. Et là, va falloir jouer encore un peu plus safe. Essayer de moins mourir. Là, il y a moyen de tuer. Je me téléporte. Et il est un peu trop loin. Donc, je décide d'abandonner. C'est dommage. Ça stun. Là, mes adversaires qui reculent. Donc je reste un petit peu en retrait. J'essaie de regarder les barres de points de vie, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Au plein, il y a moyen de faire de gros dégâts. C'est bon, ils ont un ennemi qui prend kill. On a bien aidé, c'est bien. Oula, il y a moyen de se téléporter. Boum, ça tue. Et là, c'est encore peut-être le kill. Oui, ils ont un ennemi qui prend kill. On a fait de bons dégâts. Impeccable. Voilà, on est en train de gagner. On a 90 sbires d'avance. Hop, je dépêche les sbires vu qu'il n'y a plus d'ennemis. Ils sont tous chez eux. J'ai pas la vie neuve, mais bon. Pas si je vais décider de rester ou de baquer. Ah, je vais essayer de me faire un bonus. Non, il était pas là, le rouge. Donc je retourne aider mes alliés. Est-ce que je vais sauter? Non, il s'est encore paqué. Voilà, je pense que je vais y aller sur le Bakasura tout seul. Hop, et c'est là-bas. Impeccable. Nickel. Bon, c'est encore Sol qui a pris le kill. C'est pas grave. On est toujours en 6-3. On est pas mal. 6-3-13, donc on est sur 19 kills des 22 de mon équipe, on est un petit peu partout, c'est bien. Voilà, c'est un petit moment que je meurs plus, on va essayer de plus mourir. Ah, j'aurais pu aller me prendre le buff de speed, mais bon, je vais décider d'aller aider les alliés. Hop, je saute, grosse attaque, boum, les dégâts. Je l'ai quasiment one shot en trois coups. Ah, ça fait très très mal sur un mage. Là, je commence à avoir pas mal d'équipement. Deux équipements pour les dégâts critiques, un équipement pour les sorts, et un équipement pour les attaques de base. Donc ça fait très mal, boum, la shot dessus ici. C'est une grande chance qu'il soit mort, ouais, c'est la mort. J'essaye de me barrer, là je suis un peu dans la merde, je balance mon ultra pour temporiser, ça prend un kill, hop, je le rate parce qu'il a balancé son escape. Et là on va rentrer, on va voir s'il n'y a pas un buff. Je vais prendre le buff de speed vu que personne ne me suit. On est tranquille, on a le temps de se le prendre. Bonus de vitesse d'attaque. Donc on rentre à la base, on va pouvoir presque ouais, continuer un objet, pas tout à fait le finir. Un objet qui donne pas mal de stats, hein. Il est vraiment pas mal cet objet, là il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je le poursuis, je fais de gros dégâts, ouais c'est bon, 600, l'attaque de base ça fait mal. Donc là ben, encore un bon kill de prix, on a un 9-3, on a largement remis nos stats positives. C'est très bien, ouh là ça pue un peu. Faut pas trop que je reste, je regarde un peu ce qui se passe, mais c'est pas bon. En plus, je peux finir mon objet. Non, je repars très vite, tant pis, je finis pas l'objet. Oh là, j'essaye, je veux à tout prix aller la tuer. Je me téléporte dessus, oh, elle balance un escape au dernier moment. Ah, elle a bien joué, elle a bien joué, sinon elle était morte. Ah, là, je mettais mon attaque de base, c'était la fin. Donc là, non, j'attends un petit peu. Bon, on est en train de gagner, on a 140 sbires d'avance. Ouais, j'avais pas regardé où on en était dans la partie, mais c'est même pas de gagner, c'est on est en train de leur rouler dessus. Donc tout va bien. Boum, on prend encore un kill de plus, qu'on va mourir, on va essayer de s'échapper. Je mets mon égide, je recule. Mon équipe qui fait le taf, qui fait le café. Bon, ça fait mal, tout le monde prend des kills, on a tout fracassé sur la map. Donc 10 kills, c'est bon, on est bien, 10-3, on s'est remis vraiment bien. On va pouvoir finir cet équipement. On va repartir, je pense, sur le crève-cœur pour faire un petit peu encore plus mal. On n'aura pas le temps de le finir parce qu'il reste plus que 7 points aux ennemis, 173 à 7. C'est un total massacre. Et là, il reste plus qu'un kill à prendre, quelques sbires, et puis la partie est gagnée. Hop, on va sauter sur le Cerbère. On va pouvoir peut-être le tuer. Il reste un pixel. Bon, c'est la fin de la partie. On gagne 166 à 0, sinon le Cerbère, là, il était mort. Il restait un pixel, il manquait une petite attaque et c'était la fin.
Ben voilà, donc Dadji, un assassin, très très plaisant à jouer. On finit en 10-3, 10-3, je sais pas combien d'assistances. On a fait quand même un petit massacre. C'est très dur de pas mourir avec, comme vous voyez, faut. En arène, c'est dur de pas mourir. Hein. Mais bon, 10-3, quand même très content. Une bonne partie, voilà. Je joue pas beaucoup d'assassins, donc vous verrez pas des tonnes de parties avec un assassin. Mais je tenais quand même à vous faire une petite partie avec Dadji, que c'est le seul assassin que je joue plutôt bien. Donc. Il fallait que je vous fasse une petite partie avec. Ben, je suis content, c'est fait, j'ai réussi à faire une bonne partie. Impeccable. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va féliciter tout le monde. Je vous laisse comme d'habitude avec les stats. Et je vous dis à la prochaine. Bye!